still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas. Les petits poteaux, ici Smoke and Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas du tout, parce que mon live arrête pas de bugger, j'en ai marre. Bref, nouvelle vidéo découverte les amis, petite démo les amis d'un jeu que j'ai dans ma liste de souhaits de Steam depuis fort longtemps. Il s'agit de Monsieur Prepper, donc c'est une démo là qu'on va tester. Donc pour la petite histoire, je vais vous lire ça. Donc la démo elle est gratuite, dispo sur Steam en français. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc Monsieur Prepper est une personne qui vit dans un pays qui était autrefois une terre de liberté, mais que le gouvernement a décidé petit à petit de changer. Si vous n'obéissez pas, vous disparaissez. Soyez comme ils veulent que vous soyez ou fuyez. Notre héros a décidé de s'y opposer et de sortir de cette vie de désillusion. La seule manière de cacher ses plans et ses activités est de construire un abri souterrain et de fabriquer une machine qui l'aidera à faire face à toute situation. Mais il a besoin de matériaux tellement rares dans ce monde, aidez-le à les obtenir pour en finir. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de faire tout de suite les amis. C'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like, comme d'habitude. Donc, la démo est dispo direct en français. Ça, c'est vraiment nice, je trouve. Et aussi, regardez. Voilà, au moins une fois, des développeurs qui pensent aux français. Hein? Les développeurs français qui pensent aux joueurs anglais. Hein? Et qui pensent pas à leurs propres joueurs français là. Et ben les développeurs étrangers, ils pensent à nous. Tu peux changer. AZERTY, QWERTY. Voilà, pas compliqué. Ça, ça fait plaisir. Merci. Les développeurs. Bref. Nouvelle partie. Jouer. Et donc les amis, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, c'est un peu un jeu, donc c'est un jeu 2D, un peu de gestion et tout, un peu comme on avait fait le jeu comment ça s'appelait, Sheltered. Vous vous rappelez, que la famille dans le bunker et tout. C'est un peu pareil avec des graphismes plus jolis et le gameplay est beaucoup plus développé. Tutoriel. Bon, on va se faire le petit tutoriel. Oh. Cette ville est devenue invivable. Voilà leur tête, plein d'ennui, de propagande et de contrôle. J'ai essayé de m'échapper, j'ai échoué cette fois. Mais je trouverai un moyen. Ils m'appellent Monsieur Prépare. Monsieur Prépare, je crois que ça veut dire. Donc ça c'est notre petite bourgade où on habite, si je dis pas de bêtises. Je connais rien du jeu hein, les amis, j'ai jamais regardé de vidéo, rien du tout. Comme d'habitude pour les découvertes, vous le savez. Et nous sommes de retour à votre domicile, citoyen. C'est qui lui? Lui me fait penser un peu, vous savez, dans les films, les agents du FBI ou quoi là, agents secrets là. Hein, costard noir, lunettes noires. Pour une tentative d'évasion, nous avons confisqué votre véhicule. C'est la procédure standard. Évidemment. Il vous est aussi interdit d'en acheter ou d'en louer une autre. Ah ouais, donc ça... Ah ouais, c'est la prison en fait. C'est la prison. Monsieur, c'est interdit ce que vous faites là. L'agence espère que vous ne tenterez plus de quitter Mourikaville. Ah, donc c'est Mourikaville là où on habite. Ah ouais, donc en mode, si tu veux partir, il te rattrape, il te renferme chez toi quoi. C'est des ouf. Ah oui, bien sûr, maintenant je prévois de retomber amoureux de cette belle ville. Pas sûr, hein. C'est une attitude louable, citoyen. À partir d'aujourd'hui, vous êtes également en probation. Je viendrai tous les jours pour une brève inspection.
afin de vérifier n'importe quelle action subversive ou objet interdit. Ah ouais, donc on va se faire un peu espionner comme ça. C'est vraiment un aspect que je kiffe du jeu. Et vous voyez aussi, ce que je savais pas, c'est qu'il y a l'air d'avoir de la vie dans le quartier. Il y a des voitures qui passent. Vous voyez, on voit même la voiture là-bas partir. On a vu la voisine qui rentrait chez elle. Ah, mais regardez, quelqu'un d'autre qui sort de chez de la maison là. C'est la procédure standard. Ouais, procédure, procédure. Regardez la voiture et tout. Je suis sûr que vous y confirmerez que mes visites ne seront qu'une formalité. Béni soit le président. Et donc c'est ça, on va devoir un peu faire des choses en cachette sans que le mec le voie quoi. On va devoir cacher. Béni soit-il. Nice, ça c'est vachement plus beau que ce que je pensais par contre. Tutoriel, ceci est un tutoriel. Laissez-moi vous guider. Volontiers. Alors, comment ça se passe? Contrôle. Familiarisez-vous avec les contrôles de base. Déplacez la caméra en utilisant ZQSD. Ou... Ah ouais, clic droit comme ça, ok. Donc, ah ouais, attends, on peut zoomer de ouf. Je peux zoomer, dézoomer. Ok, là, regardez. On va pouvoir creuser. Creuser dans le sol. Ok. Donc là, c'est notre petite maison de départ. Et vous voyez, on peut interagir avec tout, hein. Tout est bien fait, tout est bien logique, bien réaliste. C'est vraiment trop trop nice. Ok, donc ça c'est bon, on peut déplacer. Ah oui, monsieur prépare, ok. Par exemple, si je clique là, il va là. Si je clique là, double-cliquer pour courir. Ah ouais, quand tu dois te dépêcher, cours. Ok. Le tuto est très bien fait, les amis. Sur n'importe quel objet. Pour voir ce que vous pouvez faire avec. Ok, pour les interactions du coup. Non, attends, reste là. Donc par exemple, si je vais dans le frigo, clic droit, ouvrir, inspecter, je peux éteindre le frigo par exemple. Alors si je fais inspecter, inspecter, réfrigérateur. J'ai 10 plastiques, 10 métal, utilisez-le pour stocker votre nourriture, éviter qu'elle pourrisse. Alors je sais pas si ça c'est ce qu'est dedans. Ou si c'est ce que vaut le frigo. Aucune idée. Comment je... Ok. Si je fais ouvrir, c'est pas le bon moment pour ça, qu'il faut qu'on finisse. Sieste. Vous êtes fatigué après votre tentative d'évasion. Vous méritez de faire une sieste. On doit aller se coucher. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, il y a tout un système. Vous voyez là, par exemple, faut qu'on aille se reposer. Je crois qu'on va devoir manger, boire, se laver ou des trucs comme ça. Peut-être pas se laver. Je suis fatigué. Une petite sieste. Plan d'évasion. Hein? Ok, ça c'est l'horloge. Est-ce que je dois cliquer sur quelque chose là? Je peux mettre en pause, accélérer. Je vais laisser, je pense que... Vous avez faim? Mangez quelque chose. Ah voilà, vous voyez? Ouvrir, je pense que c'est ça maintenant. Ok, pour l'instant je kiffe bien ce petit tuto, pas trop mal fait. Ah oui, voilà, c'est ça qu'il y a dedans. Ah, donc ça c'est mon inventaire. Bon, pour être mariné ou manger en salade. Et regardez aussi les items, ils sont tellement bien faits, je trouve. Donc on a 5 soupes, on a 3 choux, 6 carottes et 3 navets. Qu'est-ce que je dois manger? Ah, ma barre au-dessus, regardez. Là, il y a ma vie là, en fait. Je sais pas si je devrais peut-être garder les conserves et déjà manger les légumes. Comment je fais? Manger, séparer, manger tout. J'en mange un. Deux. Ah ouais, ça monte, ok. On va manger ça. Ceci est votre jauge de préparation au-dessus. Gardez votre état de préparation éveillé. Ok. C'est votre stat la plus... Ah, c'est votre stat la plus précieuse. Si elle tombe à zéro, vous vous évanouirez. Ah, on s'évanouit? Restez bien nourri et bien reposé pour la garder élevée. Ok. Nouveau plan d'évasion. Examinez votre nouveau plan d'évasion. Qu'est-ce que c'est que ce tableau?
Y a de la fumée dehors. Objectif numéro 1, survivre. Objectif numéro 2, s'échapper. Construire un bunker. Construire la première pièce de mon bunker. Ah, c'est ces petites notes et tout en fait. Ok, donc là en gros ça nous dit un peu ce qu'on va devoir faire quoi. Construire la première pièce du bunker. Donc depuis le salon, une échelle et une pièce sous terre. Ok. Allons creuser la première pièce de mon bunker. Construisez la première pièce de votre bunker. Donc je clique, ça c'est quoi ça? Inventaire, horloge, construction. Je clique là, valider, construire. Ok, nice! Premier petit bunker. Ah oui, du coup ça prend du temps. Et de la fatigue aussi, ça fatigue votre personnage, vous voyez. Et là, c'est en accéléré, du coup. C'est fait. Vous devez fabriquer une échelle pour votre bunker. Premièrement, découvrez votre fidèle établi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc ici. Après, on pourra même aller dans les bois et tout. Fabriquer une échelle. Inspecter, prendre. Prendre. Ah ouais, ok, la toile. Enfin, la nappe. Ah, du coup, on l'a ici. Ah ouais, ça se met dans notre inventaire. Ok. Votre établi est un peu rouillé. Voyons ce qu'il faut pour le remettre en état. Ah, on va devoir le réparer. Un établi de meilleur... Le meilleur ami de Prepper, ok. Comment je fais pour le réparer? Fabriquer, démonter et travailler. Mais il vaut mieux qu'il reste caché de l'agence. Pour ça qu'il y avait un drap dessus. Alors, échange. Vous aurez besoin de métal et de bois. Commencez par acheter 8 unités de métal. Niveau 1. Ah, 5 métal, 15 bois. Établi niveau 1. Ok. Faut qu'on aille au courrier. Il est temps d'échanger avec Bob. Qui est Bob? C'est donc le moment de faire du commerce. Faites une commande, récupérez-la en 2 heures. Voilà comment cela devrait fonctionner. Ah, donc on a une map carrément. Monsieur Prepper, donc ça c'est notre maison. Sergel. Ok, donc ça c'est un peu le vendeur quoi. Ah et regardez, il y a même un niveau de confiance. On est niveau 1 en confiance avec lui. Donc suivant les gens, s'ils vous font confiance, pas confiance, ça va modifier, changer les trucs. Donc ça c'est du métal, 8 en stock, matériaux de base, le métal sera utile pour de nombreuses choses. Que vous allez construire. Ah, je peux vendre des ressources aussi. Oh. Ok. Je dois en acheter combien? 8. $32. J'ai combien? J'ai 50. Ok, là je suis passé niveau 2 avec lui. Ok, on ferme la map. On peut voir qu'il y a un supermarché et la maison de Nancy. Ah, donc il y a vraiment une map. Moi, je pensais que tout se passait ici un peu. Aller dans la forêt pour trouver du bois. Oh, mais c'est trop stylé. Je pensais pas que c'était comme ça, moi. Forêt. D'accord, on peut aller dans certains endroits comme ça, en fait. Moi, je pensais plus que ça allait être une image vite fait. Ce serait super de récolter. Je suis sûr que la forêt regorge de matériaux utiles. Ah, bah là, il y a du bois, là. Rondin de bois. Inspecter, prendre. Rondin. Prendre. 1 sur 3. Oh mais c'est trop stylé. Prendre. Merde, il m'en manque un par contre là. Oh, c'est quoi ça?
C'est pas le bon moment pour ça. Il y a même une biche. Je sais pas si on pourra peut-être chasser. Chemin. Utiliser. Oh! Ça fait. Non, il veut pas. C'est pas le bon moment pour ça. Ça me fait penser un peu au jeu à l'ancienne, comme ça, où t'avais des petits trucs à trouver. Il veut que j'aille où là? Ah, là-bas, ok. Ultra Palouet d'Aria. Ah ouais, mais. Ah ouais, elle est immense la forêt en fait. Revenez à la maison. Je peux pas prendre ça en plus. Ah, y'a peut-être moyen. Oh, ça m'en fera un de plus, hein. Et on peut même continuer. Je dois rentrer chez moi. Attends, déjà, si je peux récupérer des trucs en plus. Je sais pas, ça sert à quoi, mais. On les aura, hein. Revenez à la maison. Comment je fais? Ok, par ici. Utiliser. Faut que je fasse gaffe à ma vie aussi là. Et ma fatigue. Retourner à la maison. Ça c'est bien fichu leur truc. Oula, c'est qui ça? Facteur? Le courrier non reçu s'entasse dans la boîte aux lettres. Couper 3 rondins pour obtenir du bois. Ah d'accord, c'est le métal que j'ai commandé du coup. En gros, tu le commandes et il te le livre. Et le facteur, qu'est-ce qu'il a? Le courrier non reçu s'entasse. Hein. Bob, l'ancien professeur. Est-il parti en vacances ou quoi? Sérieux? Tu me demandes ça, frère, j'en sais rien. Encombrant est lourd, mais vaut le coup d'être amené à la maison. Démonter. Il nous en faut 3. Oh, on est fatigué de ouf là. Réceptionnez votre métal. Bon, on l'avait fait juste avant, du coup c'est bon. Améliorez votre établi. Comment je fais? Pour l'améliorer par contre. Établi niveau 1. Créé. Ah ouais, il me fallait 5 métal et 15 bois en fait. C'est pour ça qu'on a récolté. Nice. Ok, c'est bon. Ah non, merde, il fallait que je fasse l'échelle, ouais. Échelle. Il me faut 3 métal, c'est ce qui nous restait. Pile poil. Putain, je vais être crevé là. Ok, c'est good. Placez l'échelle, faites-la glisser et déposez-la. Wow, c'est tellement bien fait, putain. Je suis choqué. Par contre, il n'y a pas de lumière chez moi. Il est temps de placer l'échelle pour que je puisse... Ah, j'ai cliqué, ça a annulé. Right. Je pourrais avoir un peu de lumière dans mon abri. J'ai besoin de verre pour les fabriquer. Allons démonter quelque chose à l'établi. Alt plus clic gauche pour prise rapide. Alt plus clic gauche. Couvrir. Je peux pas y me reposer. Ok, faut que je retourne à l'établi. Ah merde! Moi j'ai peur. Vous avez besoin de lampes pour votre bunker. Vous avez besoin de verre pour les fabriquer. Allons démonter quelque chose à l'établi. Démonter quoi? Donc
Là, je fais démonter. Ah oui, ça me donne un verre, c'est ça. Je vais en démonter plusieurs, j'en aurai d'avance. Les deux assiettes aussi. Hop. Fabriquer une lampe. Ah, il y a plusieurs onglets, j'avais pas vu. Batte de baseball, piège. Table, chaise, étagère. Putain, il y a pas mal de trucs. Applique. Il m'en faut un. Parfait ça. Je vais en faire deux, on en aura une de plus. Placez l'applique dans le bunker, faites-la glisser et déposez-la. Alors. Ah d'accord. Ah bah je dois en mettre deux. Merde. Là. Le plan pour l'instant, pyjama et lit. Et ben allez, au lit. Vous devez aller dormir avant 3h. Ah merde! Avant 3h, il est quelle heure là? Il est 1h, moins 10, moins je sais pas combien. Ah, il y a des jours aussi, à mon avis, t'auras pas tout le temps que tu veux, quoi. J'ai un petit cru. Wow, ouais, ma vie, what the fuck. L'agent va bientôt arriver, vous devez cacher ou prendre les objets suspects et lui ouvrir la porte. Quel objet suspect? Hein? Il arrive. Qu'est-ce que... Retourner le tableau, ah oui, pour les plans. Ok, vite. Et ça, couvrir... La trappe, ah ouais, vite, ok, c'est bon, vite. Bonjour, ouais, y'a rien, hein. J'ai rien fait de mal, monsieur. Je vais inspecter les pièces, c'est la procédure. Oh, allez-y, monsieur, faites comme chez vous. Je vous en prie. Oh, l'établi. C'est mort. Je savais pas. Faut aller remettre le drap. Ceci peut être utilisé de manière douteuse. Je notifie dans le rapport. Merde. Il va avoir des doutes du coup. Merde, j'étais trop zoomé, j'avais pas vu. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un drap dessus au début. Rien. Résultat d'investigation. Objet essentiel manquant 0. Objet suspect l'établi. Niveau de suspicion, du coup, ça a augmenté. Ah merde. La prochaine visite le 5-1 à 13h44. Mon dieu, c'est passé loin. Je dois être plus prudent. Placez l'établi dans votre bunker. Ah bah ouais, mais il pouvait pas me le dire avant ça. Ouais frère, je dois cacher l'établi dans mon bunker. Ben ouais, ben c'est maintenant que tu me le dis. Ah, bravo ça. Je ne peux pas aller là. Découvre. Hop. Ah. Ok. C'est quoi ça? Examinez votre journal. Ah, le petit inventaire d'équipement. On pourra s'équiper de genre un casque avec, de mineur là. Sac à dos, les habits, les armes, les compétences. Je devrais commencer par examiner mon plan ultime. C'est tout, on a fini le tuto là?
Je crois que oui. Examinez votre plan d'évasion ultime. Faites pousser quelques plantes dans mon bunker. Ah, source de nourriture. J'ai besoin d'une source de nourriture. Il est temps de démarrer ma plantation souterraine. On va devoir construire une nouvelle pièce. L'agent ne serait pas content de voir ça. Ça, pour faire votre ferme souterraine de base, vous aurez besoin de 5 terres. Peut être créé à l'établi. 5 sacs de graines. Vous en trouverez quelques-uns chez vous. Les graines peuvent également être achetées ou échangées. Ah, donc il y a certains objets que je peux trouver chez moi dans les placards ou quoi, peut-être. Donc déjà la terre établie. Ça, normalement, on peut le faire. Ah, faut que j'aille manger, putain, je suis en train de crever, là. Je l'ai vu tout à l'heure, la terre, c'était où? Parcelle de terre, c'est ça? Pour faire pousser des plantes dans votre bunker. Ok, il m'en faut 5. J'ai entendu marcher là. C'est le facteur. Putain, j'ai flippé. Encore 3. Je crois que c'est l'agent qui allait passer à l'improviste. Contrôle surprise. Voir ce qu'on a au courrier. Lettre, une lettre avec une belle écriture fleurie. Je sais pas ce que c'est. Nice. Cher voisin, aimez-vous les fleurs, herbes et plantes en général? Avez-vous du mal à vous faire des amis en ville? Êtes-vous fatigué de la vie urbaine et des hommes sinistres en costume inspectant votre maison? Aimez-vous la nature? Si cela est vrai, pour vous, je suis sûr que ça l'est, s'il vous plaît, venez dans la forêt pendant la journée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un d'amical. L'herboriste local. Ah, mais il a peut-être des graines, lui. Ah, attendez, on va aller manger, là. Je suis en train vraiment de mourir de faim. Ah oui, ça m'a mis de nouvelles quêtes, là. Des carottes. On doit manger. Ok, c'est bon. Hop. Allez dans la forêt, récupérer 5 sacs de graines, placer 5 passerelles dans votre bunker. Attends, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse une nouvelle... Je peux pas le mettre là. Attendez, ce qu'on va faire, les amis, je vais enlever ça vite fait. Ça, ça, et je vais remettre correctement. Donc, l'établi, on va le mettre tout au bout. Ah, je peux pas la mettre au milieu là. Pas très droit, mais on s'en fout. Et là, est-ce que je peux mettre ça? Oui. Je dois en mettre combien? 5 par... Ah ouais, il faut que je refasse une pièce, là, j'ai pas le choix. Je peux pas la faire ici, à droite, hein? Non. Ah, d'accord, je peux faire plus ou moins grand, en fait. On va faire comme ça déjà. Et après, faut vite que je taille dans la forêt parce que ça se trouve, on a du temps. Si elle se barre là, l'herboriste, c'est quoi ça? Argent. $1. $1 apocalyptique. What the fuck? Tellement stylé.
Alors attendez, ce qu'on va faire, on va reprendre ça. Non, merde. Prendre. Je vais le mettre au milieu de la salle. Oh la sieste, frère, t'abuses. Ah, faut déjà que je fasse une échelle, putain. Ah, il est fatigué. Relou. Une échelle, il me faut 3 de métal. Ah ouais, j'ai pas de métal. Ah ouais, j'ai pas de métal. Déjà, tu vas me recouvrir ça. Et on va aller vite fait voir Sergueï. C'est quoi ça? Désassembler, bonne source de matériaux. Palette en bois. Ah, je peux plus lui acheter de métal? C'est une blague? J'espère pas que je pouvais. Ouais, non. Okay. On va aller dans la forêt vite fait avant d'aller à la sieste. Ah, oui, il est 19h30, faut que je me dépêche. De ouf. On va arriver dans la nuit. Je pourrais faire une petite sieste. Attends, attends, pas le time là. Pas le time, frère. Elle est où? Wesh, elle est où l'herboriste? Pendant la journée. Ah, pendant la journée seulement? Merde. Ah, il est 20h, c'est mort. Je vais ramasser les baies. La prochaine visite, c'est le 5. Comment je vois... C'est où que je voyais mon plan de travail tout à l'heure? Ça, c'est quoi ça? Habitat. Ok. On va rentrer à la maison. Je sais plus c'est où que je voyais la date là. J'aurais peut-être dû retourner le cadre avant, non? Ah voilà, jour 5 c'est là, ok. Il nous reste 3 jours, ça va. Ça va, allez. Donc ce qu'on va faire, on va aller direct dans la forêt, je pense. Il est quelle heure? Il est 6h du mat là? Ou du soir? Du mat, je pense. Récupérer 5 sacs de graines. Donc du coup, on va fouiller les tiroirs là. Ah, ou peut-être là-dedans, là, dans la caisse, il y a quoi là? Aspecter. Facile à démonter. Ah, on peut se faire du bois avec ça. Là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, il n'y a rien. 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 Ah, je peux avoir du métal comme ça. Là, j'ai récupéré de l'eau. Ah, graines de carottes, graines de navet. Ah bah voilà. 5 paquets de graines. Recevoir, inspecter. Les petites boîtes de métal là. C'est ça, ouais. Ce qu'on va faire, on va faire halt. Une, deux, trois, quatre. Trop lourd.
échelle. Non, faut que je recycle déjà. Démonter. 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 Échelle. Nice. Créer. Ah, ça c'est pas mal, hein, franchement. Du coup, ma parcelle de terre, là, je vais pas la... Je vais la récupérer. On va mettre l'échelle ici. On va mettre une lumière ici. Hop. Je sais pas si je pourrais mettre les 5. Hein. Oh non, je pourrais jamais. Je pourrais en mettre 4, je pense pas plus. On va devoir agrandir. Ici. Pas le choix, faut y aller. Tac. Je vais remonter, créer une petite lumière. Applique. Je vais en créer deux. Ici, je pourrais même en mettre une autre si jamais. Attends, il me manque une graine de quelque chose ou je rêve là? J'en avais pas récupéré 5. Il y avait il manque un... il m'en manque une là, non? Plantez-en rapide. Je suis dans la merde là, il m'en manque une là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible? J'en ai pas. Comment j'ai fait pour en perdre une? Ah mais il me faut de l'eau en plus. Heureusement que j'en ai. Arrosé. Arroser. 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 Ok, celle-là. J'espère que récupérer 5 sacs de graines. Ah, j'avais peut-être plus de place. Attendez. On va aller vérifier, ça se trouve elle est encore dedans. J'espère que c'est ça, que je l'ai pas perdu, parce que sinon je suis dans la merde. Non. Je suis dans la merde. Ah. Ah. Il n'y avait pas tout, ok, j'ai peur. Ça me fait penser un peu aux Sims aussi, hein. C'est un peu Sims... Sims 100. Les plantes ont besoin d'eau et de lumière pour pousser. Bah c'est bon, j'ai de la lumière là. Gardez votre ferme bien éclairée, plus de lumière, croissance plus rapide. Peut-être que j'en refasse, que j'en mette plus que ce qu'il y a là. Source de nettoyage établie, je vais examiner mon plan à nouveau. Ok. Ok, dans la démo, ce qui rend la survie plus dure sur la durée. Ok. Vous aurez accès à plus de plantes de meilleure qualité. Ok. De plus d'outils pour accélérer la croissance. Plus de possibilités pour le système électrique et hydro. Ok. Ils
Ça, je vais en refaire une. Ça donne quoi, du métal? Ah mais des siestes, tu penses qu'à faire des siestes, frère? Quoi? C'est où ce que j'ai crafté? Pas de base. Jour 3. Dans 2 jours. Inspecteur. Fallait que j'examine le plan. Voiture, avion, fusée. Non, c'est juste fou. Faire un plan. Escape. Run, Monsieur Pepper. Prepper. Run. Une inspiration. Merde, la nourriture pourrie. Ah merde, j'ai pas vu. Tal vert. Comment ça, c'est quoi une aspiration? Faire un plan. Je dois planifier un peu plus. Comment m'échapper? Votre préparation est basse. Bah ouais, mais pourquoi? J'ai besoin de trouver de l'aspiration. Trouver l'aspiration pour ton plan d'évasion ultime. Ah, faut que j'aille dans la forêt, c'est vrai. Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Facteur. Photo de fusée. Lettre. Ah, attendez. Peut-être ça l'inspiration. Tout à l'heure aussi, je me sens pas suffisamment. D'une fusée magnifique, très inspirante. Ah voilà, c'est ça. Oh, ma barre de trucs là, je vais mourir. Plan de fusée ultime. 50 bois, 20 métal, 10 verres. Et je me suis évanoui. Vous avez été inconscient pendant 20 heures 39 minutes. Qu'est-ce que ça fait? Ah, du coup, ma barre maximum diminue. Ah,